Jean-François Ndenge, humilié, qualifie Denis Sassou Nguesso d'ingrat et met en garde Christelle Sassou. La rupture est consommée entre les deux hommes. Jean-François Ndenge, connu pour son franc-parler, n'a pas mâché ses mots et ne décolère pas contre Denis Sassou Nguesso. Mais surtout, il voue une colère sans précédent contre Christelle Sassou Nguesso, qui, selon des sources bien introduites, est le véritable instigateur de son éviction. Il y a un certain nombre d'indices qui ne trompent pas. Camouflé derrière des lunettes noires, tête baissée, Jean-François Ndenge a exprimé son mécontentement lors de la passation de service avec le général Obami Itu, le nouveau patron de la police congolaise, et très proche du fils du dictateur congolais, Christelle Sassou Nguesso. Ne misez plus sur ces schémas-là de dire après Sassou, ça sera encore un Sassou Nguesso, et donc on sera encore protégé, et donc on continuera à mater, à écraser les autres Congolais. Ça, je le dis, Mboshi, parce que vraiment, je crains beaucoup, 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 beaucoup pour l'avenir, hein, parce que je ne vois pas comment tout ce que Sassou a pu faire là pourra continuer comme ça, à l'infini, génération après génération. Donc, fin de fin, les Congolais vont se coaliser contre les Mboshi et nous resterons de vivre ce que nous avons vécu au Rwanda, c'est-à-dire un génocide contre les Mboshi, parce que déjà, ils sont minoritaires au Congo. Vous voyez? Et là, je le dis, ne voyez plus le nord, le sud, hein. Il faut voir vraiment tout le Congo contre les Mboshi. Parce que ce n'est pas possible ce que Sassou a fait. Ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable. Lors d'une rencontre informelle avec les caciques du PCT et certains membres de son obédience, Jean-François Ndenge s'est exclamé « Suis-je le seul dont l'âge de la retraite est évoqué pour justifier mon limogeage ?» Et ce, par un gamin. Il a modifié la Constitution pour se maintenir au pouvoir, qu'il nous avait pourtant garanti jusqu'à la mort. Nous nous sommes battus pour revenir au pouvoir et voilà comment il me remercie. Je ne me laisserai pas faire. Ce n'est que le début d'un long feuilleton, s'est-il exprimé. Jean-François Ndenge, connu pour son implication dans plusieurs affaires de crimes de sang, redoute une chasse à l'homme, savamment orchestrée par le fils du dictateur congolais. Il pense que son nom sera cité devant les tribunaux, puisque il ne bénéficiera plus d'une immunité, notamment dans l'affaire des disparus du Beach de Brazzaville, dont le dossier reste encore ouvert dans les tribunaux français. Je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Kabila, moi, et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire, nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et que il fallait prendre les mesures pour faire cesser cette terrible chose. Selon certaines indiscrétions et selon certaines informations à notre disposition, l'ancien patron de la police congolaise sera très prochainement nommé. Il devrait occuper un poste aléatoire, un poste non essentiel pour calmer les ardeurs de certains caciques qui sont opposés à la succession de pouvoirs dynastiques dans le pays. Nous insistons, Christelle Sassou Nguesso ne laissera personne indemne. Si ce dernier parvient à mettre son plan à exécution, vous verrez, vous serez les premiers à payer le prix fort. Le fils de Denis Sassou Nguesso n'a aucune attache avec certains membres de sa famille biologique et même politique. Il est prêt à tout pour parvenir à ses ambitions politiciennes et macabres. Il va tous vous éliminer les uns après les autres. C'est d'ailleurs l'unique façon pour lui
de s'imposer à la tête du pays. Et vous le savez aussi bien que nous. Jean-François Ndenge devrait se mettre à l'évidence. Denis Sassou Nguesso ne peut l'aimer plus que sa propre semence. Christelle Sassou Nguesso, le fleuve ou l'océan? Denis Christelle, c'est clair, tous à la hypocrite, pour n'aille déjà actuellement à se topogrammer la Brazzaville, il y a mon tako remplacé papa n'aille. Oui, au cas où j'ai dit papa Zate, là il y a Denis Christelle, mon tako remplacé papa. Mais non, tu m'as dit un message ou un athée? Non, il y a un azoué de saillot. Ok. Méthode où il y a un même ayango, a un même on a méthode de bogo yamabe. C'est le peuple qui a choisi sa moto et a kokambaye. Mais il faut que vous voyez, pourquoi on a lobby yango? Parce que ngai na Denis Christelle, naza ko insisté ko loba yango, tous ala ka quelque part, pour na kotala, pour analyser, n'engeni na ko renverser tata na ye, Sassou Nguesso ya zo pouvoir.